Bon matin mes petits Pikachuès, c'est de Miss Azik qui j'espère que vous allez bien les amis. J'espère que vous êtes dans la forme et j'espère surtout que vous êtes prêts pour cette petite vidéo détente sur Overwatch les amis. Donc on se retrouve une fois de plus en arcade, donc le mode de jeu qui s'appelle Gare au Shop. Donc c'est un mode de jeu qui est aléatoire, donc nous ne choisissons pas de partir par ce que nous faisons. Et là nous sommes tombés sur le mode de jeu Chaos Jubilatoire. Donc ce mode de jeu en fait tous les personnages ont le double de vie que l'habitude, leur ulti se charge extrêmement rapidement et même chose pour ce qui est de leur pouvoir, le E et le mage. Vous voyez, si je fais le mage, ben vous voyez, ça prend 3 secondes au lieu de prendre 8 normalement. Donc c'est un mode de jeu personnellement que j'aime pas tellement parce que c'est hyper compliqué de tuer quelqu'un. Il y a des personnages qui deviennent hyper chiants comme par exemple May qui peut toujours faire son mur de glace ou qui peut toujours se régénérer en vie, devient pratiquement impossible à tuer. Les tanks ont 1200 de vie, c'est n'importe quoi. J'aime bien par contre jouer Pharah et Tracer dans ce mode parce que bah, Tracer elle peut se téléporter à l'infini. Donc du coup ça c'est assez marrant quand on a un point à capturer, je prends Tracer, je vais au point et je tourne autour pendant 3 heures, donc du coup personne peut me tuer. Là j'ai pris Pharah. Pharah parce qu'elle fait quand même pas mal de dégâts, mais c'est assez difficile de tuer les gens, donc je compte sur mes partenaires pour terminer le travail. Moi je vais faire des dégâts et eux devront tuer les gens. Et c'est parti. Vous voyez, ça, il y a une emmerdison au bastion. Ok, donc déjà, il va falloir faire hyper gaffe au bastion. Et pourquoi RIP notre team? Ah, ben... Attention, il y a un faucheur en haut. Il y a un faucheur en haut. Ah! Ok. On lui a fait un peu mal. Vous voyez. Ah, merde, ils ont une Pharah aussi. Ça va être le guerre de Pharah. Je suis en train de mourir. C'est bon, on lui a fait mal. On lui fait quand même. Et voilà, on a défoncé cette Pharah. Mais là, on m'a défoncé aussi. Le bastion, il m'a eu. D'ailleurs, j'ai extrêmement hâte qu'il le nerf celui-là. Et on verra. On verra ce que ça va donner. En fait, je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours là. On peut actuellement les tester dans un mode de jeu spécial. En fait, ce qu'ils vont faire avec Bastion, c'est qu'il va avoir plus de difficultés à tuer les petits personnages, si puis-je dire, et plus de facilité à se débarrasser des tanks. Oh, il a eu de la chance. Il a eu de la chance parce que... Oh merde, Enzo. Ouch, on me fait mal là. Tu veux pas me soigner, Anna? J'ai besoin de soins. Oh non, pas une Symmetra. Ah, je pourrais la jouer Symmetra. Ah, ça serait cool. Je pense que je vais prendre Symmetra après. Parce que là, je vais essayer de me débarrasser de la Symmetra avec Pharah. Attendez. J'ai même pas réussi à tuer le Enzo. Mais c'est n'importe quoi. Il s'est pris des milliers de roquettes. Il aurait dû mourir. Mais tu deviens tellement facile à tuer dans ce mode quand t'es comme ça. Ouais, on va tenter. On va tenter de s'y mettre un peu. En plus, on est en défense. Et bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Là, il y a les dragons de Enzo qui arrivent. Tu m'empêches de passer, jeune fille. Ah ouais, ils m'ont fait mal vite là. Ouais, j'avais plus de vie. Ouais, on est clairement dans la merde. Ils sont extrêmement forts en face. Et j'aime pas le mode de jeu. C'est peut-être un des modes de jeu en chaos, en arcade, Gare au Shop que j'aime le moins. Ça et le mode de jeu où tout le monde doit jouer des Reinhardt, j'aime pas non plus. Écran photonique déployé. Ah, il a eu de la chance, son foiré. Waouh, 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 waouh,
Est-ce qu'avec l'ulti, Enzo, s'il vous plaît? Merci. Ok. Ok, on se débarrasse d'Enzo, là. Il m'a saoulé. Quoi? Mais on arrive à tuer personne! On a tué personne! C'est hyper chaud! C'est hyper chaud! Oh là 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 là. C'est pour ça que j'aime pas ce mode. Tu gères ton personnage de ton mieux et t'arrives à tuer qui? Personne, 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 personne. Personne ne meurt. Écoutez, on va créer un téléporteur ici. Bon, on va tuer ce faucheur là? Tu penses faire quoi contre moi, faucheur? En plus, il peut refaire son truc hyper vite, quoi. Le téléporteur est attaqué. Je vais pas te perdre. Nous aussi, on a un téléporteur. Bon, il est mort. Ok, le téléporteur aussi. Fouh! Nous aussi on a un téléporteur, est-ce qu'ils vont le trouver? Ouh, ok, on a réussi à reprendre un minimum le dessus sur le convoi, je pense grâce à May là, qui a l'air d'être en fire. Merde, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Attendez. Ok, on se calme les gens, on se calme. Oh lui il est vénère, hein. Je l'ai tué tout à l'heure là et là il est pas content. Allez la petite Anna, allez la petite Anna, on décède. Merci, c'est gentil. Ok. Ouh, il nous reste 15 de vie. Ah, j'ai voulu aller chercher le kit de vie qu'il y avait juste là. Mais on a tué une bonne partie du faucheur là. J'espère qu'ils vont réussir à l'achever. Faucheur aussi devient chiant dans ce mode de jeu parce que... parce qu'il peut se mettre en mage tout le temps là, et quand il est en mage, bah, ça l'empêche de se... Merde, j'arrive pas à l'avoir à cause du mur. C'est quoi l'idée de mettre un mur à cet endroit? Ok. Waouh, 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 là je prends cher, mais de où? Ah merde, ils ont une Zarya. Ça c'est chiant, une Zarya. Allez. Nice. Ah non, je suis piégée! Aidez-moi! Ok, là j'aurais besoin de soins par contre. On va aller voir s'il n'y a pas un petit kit de soins juste ici. On a quand même notre armure qui se régène, c'est vrai, j'oubliais. Voilà. Allez, la petite tresseur. Ah! J'ai essayé de buter le truc. Je sais, c'est un peu con avec Symmetra de faire ça, mais j'aurais tenté. On a une Anna, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle heal pas énormément. C'est peut-être vraiment qu'une impression, j'espère que c'est qu'une impression. Ok. Tu veux faire quoi contre moi, Zarya? Bon, je viens de dire ça et elle vient de faire son ulti. Allez, ok, elle est morte. On va aller s'occuper de la diva. What? Oh, il est mort et il m'a explosé dessus. Oh, mais c'est hyper salaud. Et en plus, mon téléporteur, il est mort. Je vais devoir en remettre un. Il reste beaucoup à faire. Ben, on va en remettre un, écoutez. On peut le faire. Je pense que nous pouvons le faire. Et là, faut pas qu'il avance trop le convoi. Je vais remettre le téléporteur. Ben, je pense à la même... au même endroit. Voilà. Merde, déjà son ulti, lui? Ok, là tout le monde est en ulti là. Ok, on va s'attaquer à Faucheur. Allez, 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 allez. Oh merde! Ok, c'est bon. Ouais, attends, je comprends plus rien à ma vie là. Je suis piégée, mais c'est pas grave. Allez, on va tuer cette diva. Ok, c'est bon.
foutu la petite. Waouh. On tue celui-là, on s'en fout qu'il soit en ulti. Allez, allez, allez. Merde, ils sont tous revenus, ils ont une ange. Faudrait essayer de tuer la ange. Ok, la ange est morte. Lui, il est mort. Et voilà. Ouh. Ah, c'était cool. Cette petite partie, elle était fort sympatoche. Un peu stressante, non? Un peu stressante, mais sympatoche. Nous avons gagné. Bah écoutez, on n'a pas fait grand-chose. On a fait que 13 kills et c'est Raph qui est action de la partie. Ça va être très fort dans ce mode de jeu. Ah ouais, il a... Ok. Ouais, il a achevé tout le monde. Mais c'est pas mal. Il a bien joué. Il a bien joué. Donc, on va lui dire, parce qu'il est dans notre squad, on lui dit... GG! J'ai voté pour May. Quoique j'aurais dû voter pour... Alex the Game. 06. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais écoutez, on va s'en faire, si c'est pas trop long, si on retombe pas en échauffement, on va s'en faire une petite dernière, sinon on va s'arrêter là, écoutez, ce n'est pas grave. Donc vous allez pouvoir passer première victoire du jour, c'est ma première partie que je fais aujourd'hui et j'ai décidé de la faire avec vous. Et malheureusement, il n'y a plus de partie. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc c'est vraiment une petite vidéo détente. Pour combler l'absence de Portal cette semaine, donc plus de Overwatch, donc j'espère que vous êtes contents. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme à votre habitude, à laisser le bébé pouce bleu et le bébé commentaire. Et nous, écoutez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, bisous.